c'est, on sait que c'est à côté du lac. Mais exactement où, je ne sais pas. Il y a deux sites, il y en a un ici et un juste à côté de l'autre côté. On peut descendre sur le lac. Donc, on nous a amené à celui-là. Donc celui-là, on l'a déjà fait aussi. À l'intérieur, il y a une pierre, soi-disant que Jésus s'est assis dessus. Et là, il a fait la multiplication des pains et des poissons. C'est long ? Mais après, allez savoir à quelle pierre il s'est assis et à quelle pierre il a fait la multiplication des pains. On sait que c'est dans le secteur, on sait que c'est ici, il n'y a pas de problème. Ça peut être là, ça peut être là-bas, ça peut être là-bas. Mais c'est dans le secteur d'ici que ça s'est fait. Mais nous, on prend ça par la foi. Nous sommes des chrétiens de la foi. Donc on prend ça par la foi en disant, Seigneur, moi je ne sais pas si c'est ici ou là-bas. Moi je sais une chose, tu as fait ce miracle et moi je crois à ce miracle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, il y a le frère qui va apporter quelques mots. Et la guitare, mais tu prends la guitare. Si, Michael, la guitare. Il y a un guitariste ou non qui... Michel? Eh bien, aussi, non, non, cantamos aussi, c'est une guitare, hein? Michel, ça veut dire quoi, Michel? Eh bien, Guigui, toca un petit peu. Prends-le, allez là, la guitare. On prie le Seigneur, présentons le moment de ce moment à Dieu. Hein? Voilà, il y a fini pour vous. Prie le Seigneur. Seigneur Jésus, je te rends grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Si on est là ce matin, Seigneur, c'est grâce à toi, Seigneur Jésus, éternel Dieu. Comment c'est bon de te louer, de t'adorer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur. On est venu dans ce lieu, Seigneur, parce que tu étais là, Seigneur Jésus, éternel Dieu. Je te loue, je t'adore ce matin, Seigneur. Bénis-nous chacun de nous, Seigneur Jésus, qui est ici, Seigneur. Bénis ton serviteur, celui qui va porter ta parole, Seigneur Jésus. Bénis mes frères et sœurs, bénis tes serviteurs, Seigneur Jésus. Je te loue et je t'adore, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Contigo, nada puedo darlo por perdido, porque tú siempre estás conmigo. Eres tú mi fiel amigo. Gloire à Dieu. Alléluia, nada puedo darlo por perdido, porque tú siempre estás conmigo. Eres tú mi fiel amigo. Contigo se multiplican los peces y el pan, y en un desierto siempre hay maná. Aleluya. Mis pasos se marchan. Gloria a Dios. Contigo se multiplican los peces y el pan. Aleluya. En un desierto siempre hay maná. Aleluya. Mis pasos se marchan irán. Contigo nada puedo darlo por perdido, porque tú siempre estás conmigo. Eres tú mi fiel amigo. Contigo nada puedo darlo por perdido. Gloria a Dios. Amén. Siempre estás conmigo. Eres tú mi fiel amigo. Aleluya. Gloria a Dios. Contigo se multiplica los peces y el pan. Yendo un desierto siempre hay maná. Gloria a Dios. Mis pasos se marchan a mirar. Aleluya. Amen. Seigneur, là où tu te trouves, il y a toujours des miracles. Amen. Ta puissance, Seigneur. Amen. Et on croit, alléluia, ta puissance. Amen. Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, c'est la guérison. Béni soit Dieu. Amen. C'est un grand privilège pour ma part à moi. C'est qu'il y a 10 ans de ça, j'étais venu en Israël en tant que chrétien. Dieu nous avait bénis de la même manière. Et 10 ans après, 2012-2022, le Seigneur permet que je revienne, Amen. Toujours en étant enfant de Dieu, mais en étant aussi serviteur de Dieu. Amen. Et ça touche réellement mon cœur de pouvoir eh bien, porter quelques mots sur ce site aujourd'hui, où il s'est passé cette multiplication des pains
et des poissons. Hein, ça se trouve dans Matthieu 14, 15, 10, et l'heure était avancée. Les disciples renvoyaient la foule afin qu'ils sachent, qu'ils aillent s'acheter des vivres. Et ce qui m'a impacté, mis dans d'autres textes, c'est qu'il dit que Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même. Mais eux, ils disent, alléluia, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus répond de nouveau, apportez-les-moi. Gloire à Dieu. Premièrement, il dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Deuxièmement, il dit, apportez-les-moi. Et ça a béni mon cœur parce que souvent, on va chercher, eh bien, ce que nous avons besoin. On essaye d'aller le chercher ailleurs quand on ne l'obtient pas. Mais Jésus nous dit, cet après-midi, ce matin, pas besoin que vous partiez. Mais venez à moi. Quand il dit venez à moi, c'est simple. Ça veut dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Si vous voulez réellement la bénédiction, elle se trouve en moi, en Jésus-Christ. Alors venez à moi. Et une fois qu'il vient à lui, il va lui dire, faites-les asseoir. Et ça bénit mon cœur quand on les dit, c'est faites-les asseoir par rager de 50 et 200. Et là, il va commencer à faire quelque chose de simple. Parce que la Bible dit qu'il y avait 5000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Il fallait pouvoir les nourrir, mais ce qui est impossible à nous est possible entre les mains. Il va prendre ses 5 pains et ses 2 poissons. Il ne va pas faire une prière spéciale. Il ne va pas demander quelque chose de spécial. Il va fermer ses yeux et puis il va rendre grâce, la Bible dit. Et quand il rend grâce, il commence à partager les morceaux et en donner à chacun qui était là. Et il y a une image qui m'est venue, on parlait avec mes frères, et l'image c'est qu'en premier lieu, les premières rangées, ils savaient qu'ils allaient être servis. Mais quand il faut faire sur des rangées pour aller jusqu'à la 5000e personne, sans compter les femmes et les enfants, ça devait mettre des heures et des heures et des heures pour les servir. Et là le doute devait arriver, ils devaient se dire je ne vais pas y arriver ou il n'y en aura pas assez pour moi. Eh bien je voudrais te dire à toi cet après-midi, que peut-être tu te dis, cette réunion, elle est belle, mais eux, ils sont venus, ils ont été bénis, ils ont acquis la bénédiction, mais à moi, non, ça tarde. Est-ce qu'à moi, Dieu va me bénir de la même manière? Je voudrais te dire de la part de Dieu, si que la bénédiction tarde, eh bien, attends-la, parce que tu la verras s'accomplir. Il n'y a rien qui est impossible entre les mains. Il est le Dieu de l'éternité, le Dieu tout-puissant. Et il va donner en abondance à son peuple. Amen. Parce que le peu de l'homme entre les mains de Dieu, c'est l'immensité de l'homme. Gloire à Dieu. Il donne en abondance. Amen. Alléluia. À tel point qu'il restait des corbeilles et des corbeilles remplies d'abondance. Alors, pour toi qui peut-être attend une guérison, alléluia, je le dis avec mon cœur, on va le faire dans la liberté, si le ciel vous le quiere. J'ai mon fils de 18 ans. S'il vous plaît. J'ai mon fils de 18 ans qui est malade. J'ai mon fils de 18 ans qui est diabétique. Et moi, il y a des années que je demande la bénédiction et je ne faillis pas dans la foi parce que je sais qu'un jour, mon sauveur va me le guérir. Béni soit Dieu. Peut-être toi, tu attends d'autres choses. Tu attends une réponse, tu attends ta conversion, tu attends ta délivrance, tu attends une réponse. Et pourquoi Dieu ne le donnerait pas maintenant? Béni soit Dieu, qui siège dans la liberté, compris le Seigneur. Amen. Et je voudrais que les serviteurs puissent prier pour mon fils. Amen. Béni soit Dieu. Michael, avant de sortir avec fils. Bien, papa, bien. Vas-y, José Lito, la connaît. Allez. Avec le cabo, c'est bon. Le cabo. Hasta David. C'est le cabo. Santa Uno. Dans la Bible, c'est quelqu'un qui réfléchit.
Et si dans ce voyage, il dit, je veux réfléchir, je ne sais pas ce que je dois faire. Si je m'engage ou je ne m'engage pas, si je donne mon cœur à lui réellement ou je ne le donne pas, puis des fois, entre deux, n'oublie pas, c'est un appel de Dieu. Dieu t'appelle, amen, à t'asseoir et à prendre cette décision. Gloire à Dieu. La décision est de Dieu. Amen. Dieu t'offre le salut. Ne perds pas ton salut. Amen. Dieu t'offre le salut, prends-le. Amen. 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 On y va, on a 20 minutes. Faites une